La dynamique zone rouge regroupant quelques quartiers des 4e, 5e et 6e arrondissements de Pointe-Noire soutient le projet de société de Denis Sassou Nguesso à la présidentielle. L'emploi des jeunes autour du grand projet agricole et la construction d'infrastructures dans les différents quartiers sont entre autres raisons expliquant ce soutien. Ce carnaval, parti du siège de la dynamique Mpaka, en passant par Vungu, Mbota, Tchiti, le rond-point Lumumba, l'avenue Charles de Gaulle et la place Nelson Mandela au centre-ville, avant de chuter sur l'esplanade de la préfecture, constitue un appel à l'endroit des citoyens de donner une autre chance au président sortant pour poursuivre son œuvre. David Chancel Mavungu, président de cette dynamique, sur l'intérêt de cette action. C'est une activité de sensibilisation et vous avez vu qu'il fallait faire des descentes sur le terrain pour essayer de voir ou bien d'évaluer la mobilisation en termes de conscientisation de la jeunesse que nous avons menée depuis un certain moment. Et cela, c'est tout simplement pour essayer de changer l'image de nos quartiers, pour apporter un vent frais par rapport à tout ce qui s'est passé en 2016. Et nous protégeons l'environnement. Donc l'emploi que nous pouvons essayer peut-être de raccommoder au projet de société du président de la République, c'est tout simplement l'emploi vert et bleu. Les jeunes de la dynamique zone rouge attendent beaucoup de Denis Sassou Nguesso qu'ils entendent accompagner jusqu'à l'aboutissement de leurs rêves.